Fin arrive à CTL ou NBC, merci ou peut suivre nous depuis Cotou. Nous guettons ensemble un titre qui fin domine l'actualité, sa mercredi là. Météo fin maintenir classe D dans Maurice et Léano fin vin une faux tempête tropicale. National Crisis Committee a peut suivre de près sur l'évolution. Dans Dubaï, hier, Premier ministre Pravin Kumar Jagnauth fin une plaisir rencontre. Ben, discussion tient axée principalement aux coopérations bilatérales dans plusieurs domaines. Nous proposons bilan dans un petit moment. Gouvernement peut donner l'aide financière à ban planter, qui se plantation fin affectée après ban intempérie, ban décaissement pour commencer lundi. L'autre côté, plusieurs variétés légumes peut rentrer bientôt. Ministre l'agro-industrie fin zoine la presse hier. Et que là-bas, l'autre côté, nous ban frontières, fin émet à l'air torrance dans la Cine, l'année et fraissée a peut continuer. Madame Mamzelle Missier, bonsoir. Nous démarrons avec une nouvelle l'étang. Eliano fin vina stella une faux tempête tropicale. Maurice reste en alerte cyclonique D. Station météo vacua peut suivre situation de près. C'est tout l'évolution Eliano. Toujours d'après météo, point à l'appli Azodiaso et aussi dimanche matin dans cet endroit. Reportage. 16h10, fin maintenir à l'ERD. Selon ban prévision météorologique, faute tempête tropicale Eliano, fin incurvée vers sud-sud-ouest. Vu sa position, intensité et sa déplacement qu'il y a là, il y a un danger potentiel pour Maurice, c'est un coefficient qui est maintenu à classe 2. Il est prêt à Saint-Brandon, il peut bouger dans une direction sud-sud-ouest, donc il y a un danger pour Maurice. Là, il y a beaucoup d'incertitudes sur ce trajectoire. Surtout dans le modèle numérique, il n'est pas totalement accurité. Donc, il est difficile pour nous pour ce déplacement et nous devons suivre de près. Assois divan pour renforcer et que demain matin, pour une bande l'appli modérée qui pour commence traverse l'eau-l'île. Une bande nuageuse associée à Eliano qui commence à influencer tous les temps. Et là, demain matin, nous pouvons atteindre une bande l'appli un peu plus conséquente. En tout cas, gagne l'appli, parfois, pour modérer à fort, une grosse l'appli. Et il peut accompagner l'orage également. Il peut commencer dans le nord et il peut venir un petit peu dans l'est, le sud et le plateau central également. Il peut plus dans sa région-là, mais il peut un peu épaisse. Épaisse veut dire qu'il peut un peu partout dans l'île. Et la mer, il pourrait être bien mauvais. Il ne faudrait pas aller en mer parce qu'il ne peut atteindre une vague de 6 à 8 mètres qui peut affecter la côte un peu partout. Tout autour de Maurice. Et si Eliano peut venir bien près de nous, là, vous pouvez avoir une marée de tempête qui peut affecter une région côtière de basse altitude. Station météo Vacua peut suivre très près évolution tempête tropicale Eliano. Prochain bulletin pour émettre 22h10 à soir. Motiape Diaoli, National Crisis Committee a pu suivre de près évolution Eliano. Ban membre sa comité la fin zoan azodi dans pour lui, fin sietou cause lo ban scénario qui capavena avec classe D qui fin maintenir. Bizan aussi connaît qui National Emergency Operations Command li actif, fin prévoit ban gros l'appli à partir 10 mai, grand matin. Depuis 4h10, grand matin, pays fin passe en alerte D. Avec Eliano qui peut continuer rapproche-li avec une région, ban membre comité de crise, si des nouveaux conviés pour passer en revue ban mesure qui peut mettre en place en cas de détérioration l'étang. National Emergency Operations Command fin activé grand matin. Le National Emergency Operations Command niveau 1 fin activité ce matin et pour augmenter ce niveau d'alerte sur notre situation et ben dernier renseignement que nous avons gagné avec météo. Ben first responders command la Special Wild Force, ben élément de la force régulière, la Special Supporting Unit, ben Guard Côte et le Mauritius Fire Rescue Services. D'après ban données station météo Vacua, peut prévoir ban gros l'appli à partir demain et que dans sa réunion là, fin évoque ban mesure qui pour prend dans pour lui et un plan d'éviation qui n'est déjà préparé. Dans éventualité gros l'appli dans pour lui, la police est dans ce plan de déviation qui vous met en place pour empêcher la circulation pour sécurité, y compris ban de roue. Le public en général ainsi que ban d'immunes qui travaillent dans une zone à risque, incluant pour lui. C'est fortement recommandé pour ne pas porter ce véhicule dans une zone à risque d'inondation, comme à la rue La Poudrière, la Saussée, le long du ruisseau du Pouce, ainsi que les drains et les parkings souterrains, entre autres. Entre-temps, les différentes unités se préparent à n'importe qui éventualité.
Avec menace Eliano et que ben risque l'appli qui associé ben l'autorité a pédi man public évite ben place côte capavena inondation si et tout ben région pour lui parmi en a la rue la poudrière et que la chaussée mais aussi ben parking underground justement nous l'équipe petit dans capitale azodi cramatin à nous guettons sam sa reportage là. Soleil dans les ciels, circulation fluide, ban dimoun dans pour lui qui peut faire ce ban activité. Comme d'habitude, dans la capitale, zondi grand matin peinant aucun signe particulier un cyclone, et pourtant, Eleano l'y trouve à 600 km la côte Maurice. Pendant que cyclone classe D, à port ban institution éducative, tout fonctionne normalement, mais il n'en ban l'appel à la prudence. Pour lui, une ban zone côté non risque inondation, et Nadimoun qui finit de comprendre. La panne qui m'amène fort pluie aussi, peut-être dans l'après-midi. Je préfère que je bouge par métro. Sinon, parking ou habitevin. Oui, dans ma voiture. Mais parking aussi, un problème. Et non, qui ne prend cette décision basée sur les temps qu'il fait grand matin, mais je périsse sur cette garde. Je fais un travail important qui m'a fait pour lui. Alors, je trouve le temps là, correct. Si le temps là, pas si bon, pas si vous venez définitivement. Nous profiter, qui, comment dire, nous payer une place, nous permettre de nous noter aussi. Ça y est important. Mais si je trouve le temps là, pas définitivement, je peux aller depuis ici. Là, si le temps est détérioré, pour mes affaires, je peux quitter pour lui, je peux aller. Je ne peux pas prendre aucun risque, aucune chance. Vous pouvez mettre le temps dans la rue, la poudrière, c'est parce qu'il est temps bon? Pas parce qu'il est temps bon, c'est parce que c'est le parking qui m'a gagné. Mais il y a un risque à prendre, surtout connaissant qu'il y a un cyclone. Si je trouve un petit guide nuage, un petit guide à pluie. Évidemment, je ne peux pas aller. L'escalier, nous trouvons peine à l'appli, il un petit peu moins, nous trouvons nous qu'à tracer. Nous faisons tracer la ville, nous guettons escaladré, indianou, les temps pas pour bon, là, nous retournons la case. Certains automobilistes, ils aussi évitent un parking souterrain qui est facilement inondable quand il y a gros l'appli. Aujourd'hui, il y a bien moins de gens qui entendent normal. Les gens préfèrent prendre des précautions. Tous les jours, tout le monde parking rempli. Aujourd'hui, il y a un peu moins. Comment protocole prévoit, la police immobilise sur un officier. Nous avons une région à risque pour une heure de flooding. Là, nous pouvons empêcher la circulation, ça veut dire nous pouvons empêcher un véhicule venir dans cette partie de la route. Et puis, nous et pour ça, ça veut dire nous pouvons faire un cut-off, ça veut dire nous pouvons faire une déviation bien avant. Nous ne pouvons pas laisser les gens venir dans cette région à risque, par exemple, la poudrière, la chaussée, la boudonnée, toute cette région-là, nous pouvons finir couplé, nous ne pouvons pas prendre la circulation. Un parking souterrain, ça veut dire nous avons un monitoring, nous faisons. Surtout quand on a un cyclone peut venir, passage souterrain qui nous a des passages souterrains, quand on a un gros appli, nous on a un protocole, nous fermons avant même. NEOC, National Emergency Operation Command, recommande man Mauricien évite ban l'endroit côté nord risque inondation, comme la rue la poudrière et que la chaussée, tout au long ruisseau du pouce et que bandrin et aussi dans man parking souterrain. Premier ministre Pravin Kumar Jagnet fin rentre Maurice à Zodi Kramatin après sa participation dans 37e sommet ligne africaine dans Addis Abeba et que pendant son passage dans Émirats Arabes Unis hier, Premier ministre finena plusieurs rencontres dans Dubaï, une discussion qui tient axée la coopération bilatérale dans plusieurs domaines et qu'avant son retour dans le pays, Premier ministre Pravin Kumar Jagnet fin fait bilan sur la journée. À nous écoute Premier ministre Pravin Kumar Jagnet. Après ma participation à 37e sommet de l'Union africaine en Éthiopie, je profite de mon passage à Dubaï pour gagner une série de rencontres avec plusieurs dirigeants de l'Émirat arabe uni. Nous tenons un thème spécifique et qui est très important pour qu'ils nous puissent continuer nos progrès et développement dans Maurice. Je suis d'abord joindre le député Prime Minister et ministre de l'Intérieur des Émirats. Nous finissons cause longuement la possibilité de collaboration entre nous et la police. Et nous persuader qu'ils ont l'expertise pour capable aider nous donner un meilleur service au public et assurer aussi de façon plus efficace l'ordre et la paix dans nos pays. Comme vous le connaissez, nous finissons commencer un travail pour qu'ils améliorent l'accueil des passagers dans l'aéroport de Plaisance. Je suis moi-même effectué une visite à Plaisance. Et là, nous avons envie, capable aussi de profiter de l'expérience que Dubaï a dans ce domaine-là. Et dans cette même optique-là, je suis aussi joint avec le président de la compagnie Emirates
Nous faisons bien évidemment cause de la coopération qui nous met en place entre sa compagnie et les embauchés. Et nous faisons aussi remercier la compagnie Emirates pour tout le support qu'il donne à les Mauriciens de foi musulmane qui ont fait pèlerinage. Nous faisons aussi joindre le ministre d'État du commerce extérieur. Maurice et Émirats Arabes Unis peuvent déjà travailler depuis un certain moment la signature d'un Comprehensive Economic Partnership Agreement. Et ça pour bien sûr développer davantage le commerce et attirer les investissements entre nos deux pays. Et bien sûr, nous faisons aussi cause de comment capable d'améliorer le transport maritime dans nos régions. Nous faisons aussi joindre un responsable du groupe G42. C'est une entreprise qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle. Et sa compagnie d'État-là, il y a une référence mondiale. Et il est capable d'aider nos pays dans plusieurs secteurs. Nous faisons aussi discuter de surveillance de nos zones économiques exclusives avec l'aide de nouvelles technologies. Et finalement, je suis aussi à une rencontre avec le ministre d'État aux Affaires étrangères, avec qui je discute de plusieurs sujets, y compris collaboration dans la production de l'énergie renouvelable. Donc, c'était une journée, je crois, Diaou, bien remplie, mais qui fin permet nous passer en revue plusieurs projets qui déjà en cours, mais aussi guetter comment Maurice et Émirats Arabes Unis nous continuer de collaborer encore plus à l'avenir. Également dans l'actualité Agricultural Marketing Board, pour 25 légumes à un prix fixe, je pouvine pour bateau et pour avion depuis l'Afrique d'ici des Glennes, carottes, haricots, lissous et pima pour le morcer à partir de la semaine prochaine, un nouveau mesier qui gouvernement fin prend pour soulager les consommateurs, ministre de l'agro-industrie qui face à la presse hier. Nous fait le point. Avec mauvais les temps qui fin enchaîner depuis novembre dernier, production légumes fin bien affectée, entre 40 à 75% pour ban carreau et entre 10 à 65% pour ban culture sous serre. Ziscalia Small Planters Welfare Fund fin recevoir plus qu'im 8000 dossiers pour une aide financière. À partir de lundi prochain, ça l'organisme là pour commence décaissement pour tous les décalités plantaires. Sa l'aide financière gouvernementale là, vise à permettre à ban producteurs reprendre cette culture. Ministère de l'agro-industrie peut travailler également sur un plan pour qu'il y ait une variété de légumes pendant ban prochaine récolte. Qui vient de me faire ça, c'est parce qu'il y a tout ban personne qui finit touché par le mauvais temps. Je suis capable de gagner ça l'encouragement, le soutien et recommence la production. On finit aussi gagner l'occasion. Joindre ban gros producteurs aussi, pour comprendre, c'est aussi un grand apport à la production, pour demander aussi, vin avec ban plan de cette production, pour qui, ensemble, nous connaissons qui continue de produire, quand nous vous produisons, qui ban type légumes qui nous produire, et quand nous vous commençons à gagner le marché, pour qu'ils nous trouvent la situation normalisée. En attendant, le gouvernement fin donne son aval pour l'importation par avion 5 qualités légumes qui peuvent vendre à ban prix fixé par Agricultural Marketing Board, entre 25 à 50 roupies la livre pour carottes, haricots et clissous, 75 roupies la livre pour piment et 6 roupies en banane. Nous faisons des efforts au niveau du gouvernement, nous gagnons l'appui du Premier ministre, du ministre des Finances, pour qu'ils nous capables de mettre en mesure sa décision là. Et bien sûr, il y a un coût à ça. Et d'après le chiffre là, il est pour autour de 20 millions de roupies pour ces quelques mois qu'il nous faut faire, mettre ça à la disposition des consommateurs. Donc pour moi, encore une fois, ça a démontré la politique et la philosophie du gouvernement. Pour toujours être prêt avec la population, être prêt avec les consommateurs, d'avoir des moments difficiles et d'avoir des moments que vraiment nous puissions intervenir pour capable aider la population à faire face à des difficultés. Le ministre annonce également qu'un officier AMB pour Al Rodrigue pour faciliter l'acheminement d'une certaine quantité de légumes depuis Rodrigue vers Maurice.
Azodi Kramatin, président Mauritius Sanatan Harm Temples Federation, Bujraj Gubin, fin dépose une complainte à la police contre ban publication de ban réseaux sociaux qui dit qu'il fédération liée à exportation ban sains. Les fin dénonce sa ban allégation là et qui dit aussi qu'il y a une enquête à la police qui en cours. L'important rappelle qu'hier, ministre de l'agro-industrie fin faire une conférence de presse le même cisé. Ça veut dire exportation ban sains, mahen siraton dire, qui fin donne 4 permis entre 2000 à 2009 sous mandat Navin Ramgoolam en tant que Premier ministre et N sous Paul Béranzé quand il était chef gouvernement. Pour tout de suite, à nous écoute président Mauritius Senat and Harm Temples Federation, Bujraj Gubin. Président Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation Bujraj Gubin a fait une déclaration à Casienne Centrale ce mercredi. Ça fait suite à une publication de ban réseaux sociaux qui acquise MSDTF pour lier à l'exploitation de ban singes. Bujraj Gubin fin dénonce une allégation là et que la police fin ouvert une enquête. Comment nous trouver hier de Facebook et un post qui peut circuler, qui peut cause vraiment négatif le Mauritius Sanatan Dharma Temple Federation. Quand on impose l'exportation de singes, et ça fait mettre leur page Facebook de Seule Solution Révolution, et puis on a lu leur 1000 fois Parti Travailliste. C'est une demande qui m'a fait avec je tout. Pas rentrer dans une polémique pareille, pas prendre politique et que religion nous mélange ensemble. Il est vraiment chagrinant quand nous pouvons trouver un poste qui est vraiment délicat. Et Mauritius Sanatan Dharma Temple Federation, nous avons l'équipe qui nous fait rentrer, qui nous a pour faire là-dedans, je ne pas connaître. C'est une affaire qui a permis de donner pendant 25 ans, 30 ans avant, qui fait question pas à sa bonne partie qui fin donne permis. C'est ça la question qui nous a posé. Qui fait pas fin pose question, ben, qui fait donne PMI pour faire exportation Zako. Et nous ici, je tout peux venir et tirer l'équipe, nous l'équipe de Mauritius Sanatan Dharma Temple Federation. Voilà, je refais un appel avec je tout, avec tout mon braille, tout mon behen, tout mon frère qui est en déo Maurice, qui peut suivre les réseaux sociaux, guette bien par rente de sa polémique. Côté na politique et religion, il y a des affaires qui sont vraiment bien dangereuses. Jai Hanuman. Hier, pendant sa conférence de presse, le ministre agro-industrie, Mansi Rotten, a fin rappelé qu'il des janvier 2000 à avril 2009, 4 PMI étaient alloués pour le commerce des bains singes à Maurice qui est dédié à l'exploitation. Il y a 3 là-dedans qui ont avec licence, un en janvier 2000, et un en octobre 2006 et l'autre en avril 2009. Je vous pose la question, mais qui était le Premier ministre, qui était le ministre de l'Agriculture qui te donne le PMI pendant ce mois de l'année qui m'a fait mentionner là. Pourquoi de tout coller, c'est Navin Ramgoolam qui est Premier ministre. À un moment donné, Arvin Boulel, qui est ministre de l'Agriculture. Il y a une PMI donnée en octobre 2004. Qui est le Premier ministre en 2004, octobre 2004? Qui était le ministre de l'Agriculture en octobre 2004? Vous connaissez, je te rappelle. Paul Béranger, Premier ministre. Nan de Godard, ministre de l'Agriculture. Mais aujourd'hui, quand on peut écouter un petit peu ma position, ça va me dire là. Comme si ça fait donner l'impression, mais ça va t'y concerner du tout. Mansi Rotten a fait également réfute une allégation portée contre lui récemment et qu'elle a déclaré qu'il y en a tout le droit pour porter l'affaire en justice. Bonne nouvelle déo dans la Sine, ban l'autorité finie mette une alerte orange, la neige fin tombée, plus qui sait qui tient à Pétan, même dans capitale Beijing.
Pour tout de suite, ban nouvelle l'étang and warning cyclone classe D en vigueur à l'Omoris. Ban dernier photo satellite indiquait qui Eleano une vilaine forte tempête tropicale. L'étang pour détériorer rapidement avec gros lapli et que l'orage un peu partout dimanche matin. Ban gros lapli capable occasionne inondation dans ban place habituelle. La mer pouvait une pli mauvais avec ban la houle en déo brisant avec ban vague environ 6 à 8 mètres. Public conseillé pour pas faire ban sortie dans la mer pro saint bulletin pour tirer vers 22h10. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition-là. Madame, ici, merci pour fidélité. Moi, l'équipe et moi-même, nous souhaitons une bonne soirée. Pour tout bien et que si tout, fais bien attention.